Chapitre 4, à Sidford, Basford, Lausanne, classe SV. Partie 7, dosage à Sidford, Basford. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de maîtriser l'étude pH métrique de la réaction entre un acide fort et une base forte. Réaliser le dosage acide fort-base fort par pH métrique. Maintenant, cours de dosage. Description. Tout d'abord, dosage d'un acide fort par une base forte, c'est-à-dire dans les déchets, on met l'acide fort. C'est l'allure de la courbe. La courbe pH égale fonction VB est croissante. Elle est formée de trois parties. Partie AB, le pH augmente lentement et la courbe forme un palier. Ligne droite. Partie BC, le pH augmente rapidement, saute de pH et la courbe présente un point d'inflexion qui est le point. Partie CD, le pH augmente lentement de nouveau et la courbe forme un autre palier et tend vers une asymptote horizontale. C'est-à-dire limite maximale de la courbe, de pH égale à 14 plus log CB qui est le pH de la solution qui se trouve dans la burette, le pH de la solution de la base. Maintenant, dosage d'une base forte par un site fort, c'est-à-dire la base forte est placée dans l'évêché. C'est l'allure de la courbe. Aussi, la courbe pH égale fonction VA est décroissante. Elle est formée de trois parties. Partie AB, le pH augmente. Le pH diminue lentement. Et la courbe forme un palier. Partie BC, le pH diminue rapidement, chute de pH, et la courbe présente un point d'inflexion qui est le point d'équivalence. Partie CD, le pH diminue lentement, de nouveau, et la courbe forme un autre palier, et tend vers une limite minimale asymptote horizontale de pH égale moins log CA, qui est le pH de la solution dans la burette. Conclusion, la courbe représentant le dosage acide fort, base forte possède deux caractéristiques. Tout d'abord, elle est formée de trois parties et présente un point d'inflexion qui est le point d'équivalence. Deuxième caractéristique, le pH à l'équivalence dans le cas de dosage acide fort base fort est toujours égal à 7 à 25 degrés. Maintenant, détermination graphique du point d'équivalence. Afin de déterminer graphiquement le point d'équivalence, en utilisant la méthode des tangents parallèles, il faut suivre les étapes suivantes. Cette vidéo montre la méthode des parallèles tangentes. Des tangentes parallèles. C'est la courbe d'usage. On applique cette raison sur la courbe d'usage d'un site fort par une base forte. Étape 1, tracer une tangente à une concavité, cette concavité ou cette concavité de la courbe. Tout d'abord, alors,
on trace la tangente sur la concavité de la courbe, puis on trace une perpendiculaire à la tangente, à cette tangente, on trace une perpendiculaire. Étape 3, tracer une tangente à l'autre concavité de la courbe et parallèle à la première tangente. Cette tangente qui doit être parallèle à la première tangente est perpendiculaire à la perpendiculaire. Étape 4, tracer une ligne parallèle partant du milieu de la distance entre les deux tangentes. On détermine le milieu de la distance entre les deux tangentes. Le milieu. Partant de ce milieu, on trace un autre parallèle. Ces parallèles coupent la courbe par des points d'équivalence. L'intersection de cette parallèle avec la courbe et les points d'équivalence E. C'est le point E. Finalement, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. On trace une ligne verticale pour déterminer les volumes de base versés à l'équivalence VBE. Qui est égal ici à 20 ml, et on trace une ligne horizontale pour déterminer l'ordonnée qui est le pH à l'équivalence qui est égal à 7. pHe égale 7. Alors, c'est la méthode des tangentes parallèles qui permet d'identifier les points d'équivalence de la courbe de l'orage. Application 10, partie B, déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. On a tracé la courbe et d'après la méthode des tangentes parallèles, on peut déterminer les points d'équivalence, ici les points d'équivalence E, et ici les volumes de base versés à l'équivalence VBE 20 minutes, et pHe égale 7. D'après le graphe, VBE égale 20 ml et pHe égale 7. Ce sont les coordonnées du point d'équivalence. 9.4, pH à l'équivalence. Comment on peut expliquer la valeur du pH à l'équivalence? L'équation ionique de la réaction du dosage est H3 plus spécial moins plus NA plus plus H au moins donc de H2O plus NA plus spécial moins.
Les espèces chimiques présentes dans la solution à l'équivalent sont Na+, Cl- et H2O. Car H2O+ et Cl- réagissent totalement à l'équivalence, il reste H2O et Na+ et Cl-. Na+ et Cl- sont des ions spectateurs ou indifférents du point de vue acido-basique. Il reste H2O qui est net, alors le pH à l'équivalence doit être égal à 7. Conclusion, le milieu à l'équivalence du dosage acide fort base fort est net. Calcul à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs réagissent selon les rapports stéchiométriques, c'est-à-dire nombre de moles de H3 plus introduit dans le déchet égale nombre de moles de H1 versé à l'équivalence. Car l'équation bilan de la réaction du dosage de H3 plus plus H1 donne 2H2O. La stéchiométrie c'est 1 pour H3 plus et 1 pour H1. Alors nombre de moles de H3 plus sur 1 introduit dans le déchet égale nombre de moles de H1 sur 1 versé par la burette. Puisque nombre de moles de H3 plus égale nombre de moles de l'acide qui est égal à CaVa, alors on peut remplacer nombre de moles de H3 plus par CaVa et nombre de moles de H-O- versé égale nombre de moles de la base forte, c'est-à-dire Cb fois Vb, alors on peut remplacer H-O- par CbVb. La relation devient CaVa égale CbVb. On va calculer Ca, alors Ca égale CbVb sur Va. On remplace chaque terme par sa valeur, on peut calculer Ca. Application 11. Déterminer la concentration de l'acide chlorhydrique dosé. Solution de l'application. On a dosé une solution d'acide chlorhydrique H3 plus Cl- des concentrations Ca inconnues. On prélève Va égale 20 ml. On dose 20 ml de l'acide. On dose cette solution par une solution d'hydroxyde de sodium en la plus H au moins des concentrations Cb égale 10-2 mol par litre. VbE, comme on a vu, égale à 20 ml. L'équation bilan de la réaction du dosage est H3O plus HO moins donne DH2O. D'après la stéchiométrie de cette réaction, à l'équivalence, nombre de moles de H3O plus introduit dans l'évêché ou apporté doit être au nombre de moles de HO- versé par la burette. On remplace un HO+ par CaVa et nombre de moles HO- versé par CbVbE. Alors, Ca égale CbVbE sur Va égale Cb, c'est 10-2. VbE, c'est 20. Sur Va, c'est 20. Alors, Ca égale 10-2 mol par litre. Application 12. On effectue un dosage pH métrique pour une solution S d'hydroxyde de sodium en la plus 6HO-. Pour cela, on verse 10 ml de la solution S dans un bécher. On y ajoute un certain volume d'eau distillée pour immerger l'électrode du pH mètre. On ajoute progressivement une solution d'acide chlorhydrique H3 plus Cl- des concentrations Ca égale 0,1 mol. Les résultats suivants sont obtenus.
on a ce tableau, variation du pH en fonction du volume d'acide versé en millilitres. A, tracer la courbe pH égale fonction BA. Prendre comme échelle 1 cm pour 1 ml en abscisse, 1 cm pour 1 unité de pH en ordonnée. B, déterminer graphiquement les points d'équivalence. C, expliquer la valeur du pH à l'équivalence. D, déterminer la concentration de la solution S. Solution de l'application 12. On a une solution de anapistis H au moins de concentration CB inconnue. On prend un volume BB égale 10 ml. On dose cette solution par une solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- de concentration Ca égale 0,1 mol par litre. 1. Il faut tracer la courbe. Tracer la courbe pH égale fonction Va en utilisant l'échelle suivante. C. La courbe pH égale fonction Va en millilitres. Partie B, déterminer graphiquement les points d'équivalence. À l'aide de la méthode des tangentes parallèles, on détermine les points d'équivalence E. Ici, les points d'équivalence E. Les coordonnées VAE égale 9 ml, PHE égale 7. On écrit 1, 2, d'après les graphes. VAE égale 9 ml et HE égale 7. Droit, on sait expliquer la valeur du pH à l'équivalence. L'équation ionique de réaction d'usage c'est anapistis H1 plus H2 plus Cl- donne DH2 plus anapistis plus Cl-. Les espèces présentes à l'équivalence sont Na+, Cl- et H2O. Na+ et Cl- ions indifférents ou ions spectateurs. Il reste H2O et neutre. Alors, pH E égale 7. 4 ou D. Déterminer la concentration de la solution S, c'est-à-dire concentration de NaOH. On écrit tout d'abord l'équation bilan de la réaction du dosage. C. H au moins plus H3O plus dans 2H2O à l'équivalence d'après la stéchiométrie de cette réaction. Nombre de moles de H au moins apporté ou introduit dans l'évêché. Égal nombre de moles de H3O plus versé par la burette, c'est-à-dire CB VB égale CA VA E.
Maintenant, CB égale CA VAE sur VB égale CB, c'est la prédonnée, CB c'est 0, sorry, CA c'est 0,1, VAE c'est 9, 0,1 fois VAE 9 sur VB égale 10 égale 0,09 mol par litre. C'est l'application 12.